Espoir de sortie de crise dans le processus de discussion israélo-palestinienne. Un accord serait tout proche d'être trouvé. Il prévoit notamment la libération de prisonniers palestiniens, gel partiel des constructions en Cisjordanie et la remise en liberté par les États-Unis de l'espion israélo-américain Jonathan Pollard. Lancement réussi d'un satellite militaire d'observation par Israël hier soir, baptisé Horizon 10. Il dispose d'une technologie capable de photographier la Terre depuis l'espace, même par de très mauvaises conditions météorologiques. L'Ukraine demande aux séparatistes pro-russes qui occupent des bâtiments dans l'est du pays de déposer les armes en échange d'une amnistie. Mais le ton du Kremlin reste ferme. Ce soir, Vladimir Poutine menace de couper le gaz qui sert à alimenter l'Ukraine. Dans le débat du Grand Direct, ce soir, on s'intéresse au phénomène de la violence à l'école au lendemain d'un nouveau fait divers dramatique aux États-Unis. On en a parlé abondamment. Un lycéen armé de plusieurs couteaux qui est venu poignarder 19 de ses camarades hier. Cela se passait près de Pittsburgh. On n'a pas encore évidemment d'explication à ce geste fou. On sait que 9 des victimes sont encore considérées comme dans un état critique. Ce soir, on va en parler avec Joël Lévy, qui est psychologue à Tel Aviv. Bonsoir à vous, Joël. Bonsoir. On sera rejoint dans un instant par Eliezer Ben Raphaël, qui est sociologue à l'Université de Jérusalem. Mais tout d'abord, un mot sur ces comportements, parce qu'on a toujours du mal à imaginer comment des adolescents en viennent à se livrer à de tels ravages, on va dire, dans des écoles. Même s'il n'y a pas eu de mort hier, il y a quand même 19 blessés, c'est oui, très grave. Extrêmement violent. Mmh. Et par ailleurs, effectivement, des adolescents, voire même des enfants, peuvent être dans la pathologie. Là, on est dans un passage à l'acte qui relève de la pathologie, qui ne relève pas d'un acte de délinquance. C'est un vrai passage à l'acte. Est-ce qu'on a raison de dire coup de folie dans ces cas-là? Est-ce que c'est forcément un coup de folie? Parce que ça a été prémédité aussi. Oui, mais pour autant, ça relève de la folie que de préméditer quelque chose de cet ordre-là. C'est la terminologie un peu vulgarisée de ce qu'on appellerait plutôt pour un psy une décompensation psychotique peut-être, c'est-à-dire vraiment un accès à un moment donné dans la sphère de la folie et de la pathologie. Évidemment que ça dépasse vraiment le cadre de la délinquance. Ouais. Alors on est évidemment toujours focalisé sur les États-Unis parce que c'est vrai que c'est souvent là-bas que cela se passe. Est-ce que vous l'expliquez d'ailleurs? Est-ce que pourquoi plus les Américains que d'autres pays? Il y en a aussi en Israël, il y en a ailleurs aussi, mais plus les Américains. Oui, c'est sans doute plus cinglant aux États-Unis. Je pense que c'est une société aussi excessive. Je ne suis pas une spécialiste, mais évidemment que chaque fois qu'il se passe quelque chose là-bas, c'est bien plus médiatisé. Donc ça attise aussi la volonté de quelqu'un de faire un passage à l'acte de cet ordre-là. Il n'a pas tué son voisin. Il a été dans l'établissement scolaire. Ce n'est pas la première fois, effectivement, aux États-Unis, mais ce n'est pas le seul pays où on observe que des jeunes adultes vont être dans la nécessité d'être médiatisés. À ce moment-là, c'est un acte fort qu'ils posent. Ils ont besoin d'être vus, d'être reconnus dans cette violence-là. C'est ça qui est interpellant. Est-ce que les États-Unis détiennent en eux le nid de la violence? Je ne suis pas sûre qu'on peut aller jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez souvent signifié là-bas. Quoi. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec l'état d'adolescent et ce genre d'acte violent? Est-ce que l'adolescence est une période, on le sait évidemment, où il y a une fragilité aussi? Est-ce que ça favorise ce genre de choses ou pas? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'à l'adolescence, on est effectivement plus enclin au passage à l'acte. On est plus enclin à avoir besoin d'être reconnu par un groupe, par son groupe de pairs. On est également plus en souffrance quand on n'est pas en phase avec un groupe. C'est à cette période que se constitue la personnalité en lien, la personnalité avec le groupe social. Donc oui, un adolescent est plus fragile, mais il n'est pas forcément plus violent qu'un adulte. Par contre, il a certainement plus besoin d'être reconnu par les autres et plus en difficulté pour exprimer sa violence. Est-ce qu'il y a toujours un lien aussi avec le milieu familial? Est-ce qu'on dit toujours, est-ce qu'on est peut-être coupé de ses parents et que les parents parfois ne voient pas arriver ces choses-là? Est-ce que c'est forcément lié aussi aux relations entre l'adolescent et ses parents, ce qui après débouche sur un acte violent?
Bon, ce qui est forcément en lien, c'est la constitution de la personnalité. Il y a de la pathologie, et évidemment, qu'un enfant, même dans sa toute petite enfance, qui a subi des violences fortes, qui a dans sa sphère familiale des espaces plus pathologiques, va être plus enclin à avoir ce type de passage à l'acte pathologique. Un adolescent qui est en souffrance avec ses parents ne va pas systématiquement avoir besoin d'être dans ce type de passage à l'acte. Mmh. C'est quand même assez fort, assez singulier. Pour autant, oui, c'est en lien aussi avec ce que l'adolescent peut exprimer ou pas. La famille, malheureusement, peut être aussi spectatrice de tout ça. Mmh. Elle est responsable, en quelque sorte, de ce qu'elle a construit chez son enfant, mais comme tout parent est responsable du bon et du mauvais chez son enfant. Mmh. Après... Joël Lévy, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'en Israël, il y a aussi... Bon, ça se passe, on l'a dit, un peu partout. Est-ce que c'est un phénomène qui est inquiétant ou pas, la violence à l'école? Sans parler évidemment de ces phénomènes extrêmes comme hier, mais la violence tout simplement à l'école, est-ce que pour vous c'est un phénomène inquiétant ? Moi je crois que c'est un phénomène inquiétant, mais je ne crois pas qu'il soit nouveau. Je crois que ça fait un certain nombre d'années qu'on observe des violences à l'école à travers certains jeux. Je pense, en France, on en a entendu parler aussi. Je ne suis pas sûre que ce soit spécifique à Israël, évidemment. Mais je pense que, de fait, il faut se pencher sur ce que nos enfants ont intériorisé, ont banalisé autour de la violence. Mmh. Qu'est-ce qu'on, en tant qu'adulte, on est en train de véhiculer, on est en train de légitimer autour de la violence? Moi, c'est ça plutôt qui m'inquiète, mais je ne crois pas que ce soit si nouveau. On va continuer d'en parler, vous restez avec nous évidemment, Joël Lévy. On est rejoint par Eliezer Ben Raphaël, qui est sociologue à l'Université de Jérusalem. Bonsoir à vous. Tel Aviv, excusez-moi aussi. Alors, un mot donc sur ce phénomène. D'abord, est-ce que pour vous, il est en train, comme on le disait à l'instant, de prendre plus d'ampleur partout, ou est-ce que finalement ce sont des phénomènes épisodiques et il ne faut pas généraliser ce genre de... Je crois qu'on assiste quand même à une certaine vague d'une violence qui augmente. Mmh. Et que cette violence est due à beaucoup de raisons qui ont trait à notre mode de vie actuel. Par exemple, les changements qui s'opèrent dans les familles. On ne peut pas détacher le problème éducatif du fait que la famille actuelle est beaucoup moins stable que par le passé et régie par des normes beaucoup moins fixes et rigides telles que nous avons connues. Et il y a un nombre sans précédent de familles monoparentales, et il y a aussi des problèmes qui découle de la recomposition de familles, ce qu'on appelle des familles recomposées. Mmh. Il y a une perte de repères, quoi. Vous êtes d'accord là-dessus, Joël Lévy ? Oui, moi je dirais que c'est surtout pour la difficulté actuelle d'un enfant, depuis quelques années, c'est de repérer qui est qui. Qui porte l'autorité. Alors je ne suis pas sûre qu'une famille monoparentale ou une famille recomposée propose moins de cadre et d'autorité, mais c'est vrai que les adultes eux-mêmes perdent leurs repères. Qui ils sont, qu'ils doivent reconstruire, qu'est-ce qu'ils doivent reconstruire, pardon. Et c'est vrai que du coup, on propose aux enfants des modèles moins repérables, moins stables, de fait. Et puis, du coup, la société aussi apporte une espèce de rapidité constante qui fait que l'éducation ne peut plus se poser, se réfléchir. Je pense que c'est en soi un nid de violence que l'enfant perçoit. Moi, je rajouterais qu'on respecte beaucoup moins les enfants en termes de protection qu'on ne les respectait auparavant. Et pour moi, ça aussi, c'est un facteur qui propulse l'enfant dans une banalisation de la violence. C'est juste, je suis d'accord. J'ajouterai quand même quelques mots sur le rôle des médias actuels. Mmh. Où ce foisonnement d'informations, d'images, de mythes, de déconstruction que nous trouvons dans le volume qui va en grandissant de médias auxquels nous sommes exposés, et surtout les enfants. Parce que les adultes vont au travail,
Ils reviennent, ils ont toutes sortes d'occupations, mais ils regardent aussi, certainement, ils sont aussi exposés aux médias. Mais les enfants ont beaucoup plus de temps à leur disposition. Et ils ont à leur disposition aussi, comme les réseaux, des cadres où ils jouissent d'une certaine autonomie, sans aucun contrôle. Ils sont entre eux et ils peuvent se permettre toutes sortes de choses. Donc il y a aussi ce phénomène-là, et nous voyons, écoutez, lorsque pour vendre une savonnette, on montre des femmes nues, absolument, ou bien quand pour balayer un tapis, on présente une scène pornographique dans la télévision de tous les jours, des heures où tout le monde regarde. Donc ça veut dire quoi? Il faut un contrôle plus grand. Il ne peut pas ne pas y avoir de séquelles. Mm-hmm. Sur ce développement. Et je ne veux pas qu'on me prenne pour un ultra-conservateur qui veut imposer une censure. Mais le manque de repères dont vous parliez est aussi là. S'opère également, est constaté également dans ce domaine-là. Absolument. Les gens qui s'occupent de la production des médias sont eux-mêmes des personnes qui souvent cherchent le moyen le plus rentable, le plus frappant de présenter ce qu'ils veulent présenter, même en violant toutes les normes ou des choses premières, des vérités premières. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça n'est pas récent, ça fait quand même une bonne dizaine d'années clinicien, par exemple, on interpelle sur la nécessité de protéger les enfants, les adolescents, de se laisser cette liberté sans cadre aucun autour de la banalisation de la violence, du combat, du sexe. Non pas dans le registre de la censure, il n'est pas question de censure, il est question de protéger aussi la naïveté liée à l'âge, parce que quand on expose un enfant trop jeune, ou quand il s'expose, parce que je suis tout à fait d'accord, il transcende la loi des adultes assez facilement, il s'expose, ils n'ont pas la maturité pour comprendre. Un jeune garçon qui veut interpeller avec un couteau pour témoigner qu'il est puissant, il va sans doute s'inspirer de ce qu'il a vu. Alors ça va rentrer dans le cadre de sa pathologie, puisque je pense que tous les adolescents ne vont pas aller jusqu'à ce passage à l'acte. Mais de fait, très tôt, il intériorise, au travers des jeux vidéo aussi, ce type de comportement et de posture. Et c'est des postures auxquelles il n'est pas prêt. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi la protection de ce sanctuaire que doit être l'école. Il y avait une polémique il y a quelques années aux États-Unis quand on avait dû installer des portiques de sécurité qui existent. Est-ce que, à votre avis, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut fouiller les élèves avant qu'ils rentrent à l'école pour savoir s'ils ne sont pas armés? Je ne voudrais pas me prononcer sur ce problème spécifique, mais je voudrais dire que l'école d'aujourd'hui se trouve devant une mission impossible. Parce que d'une part, c'est une structure qui a des normes, qui a une autorité, etc., et qui a des aspirations. Mais ces aspirations et cette autorité sont tout à fait sans aucune commune mesure avec les moyens qui sont à leur disposition. Et même si on augmente les budgets de l'éducation, sur le terrain, lorsqu'on voit des classes avec 40 élèves, avec des professeurs qui se remplacent, des professeurs qui ne sont pas stables, avec des possibilités d'activités positives, entre guillemets ou sans guillemets, nous avons une situation où l'école a très difficile à remplir ses objectifs. Et j'ajouterai encore, si vous permettez, une petite phrase concernant le développement aujourd'hui, et ça c'est un phénomène relativement nouveau, pas complètement nouveau, mais relativement nouveau, c'est le multiculturalisme ou la multiculturalisation par le bas. Des gens apparaissent dans la rue, à l'école, au travail, qui sont différents les uns des autres. Résultat, c'est le résultat de l'immigration, c'est de toutes sortes de processus, mais le problème est que c'est une situation qui n'a pas été planifiée et à laquelle on n'a pas fixé des règles. C'est une situation qui s'impose.
Et chacun apparaît avec sa propre vérité, avec une tendance à considérer l'autre comme étant, portant des valeurs moins solides et moins importantes. Et donc un problème de reconnaissance l'un de l'autre. Et l'école, la rue, la société ne s'est pas adaptée à cette nouvelle situation d'une façon constructive. Et l'idéologie, seulement ceci encore, l'idéologie de l'intégration vient d'en haut, cette idéologie d'une élite. La multiculturalisation vient d'en bas et elle n'a pas de mécanisme de contrôle, en tout cas très peu, et des mécanismes qui sont seulement maintenant en train de se mettre en place. Bien, bon, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. C'est un sujet intéressant, on le creusera encore plus. Merci beaucoup, Eliezer Ben Raphaël. Merci beaucoup, Joël Lévy également. Merci à tous les deux d'être venus dans le Grand Direct pour discuter donc de ce phénomène de la violence à l'école. Dans un instant, on parle de tout autre chose. La gagnante d'un jeu télévisé consacré à la cuisine viendra nous parler.